Hello. Salut Licam. Effectivement, très tôt. Très très tôt. Tout simplement parce que j'aurais d'autres choses à faire dans la journée. Puis je me suis rendu compte que ça m'arrangeait. Mais sinon, quoi de neuf ? Encore quelques réglages. C'est encore la nuit chez moi, et c'est toujours la nuit chez moi. Je vis dans la nuit. Attends, bouge pas. Voilà, là il fait un peu plus jour, peut-être même un peu trop jour en fait. Comment vas-tu? Eh bien écoute ma foi, on fait aller. Et toi? On commence avec In Love with Destruction. Enjoy this one. T'es en vacances, espèce de vénard. I'm
vais vite te dire des grossièretés en anglais s'il y a ton fils qui regarde. Ça lui fait quel âge, à qui est-ce là maintenant? Ça peut-être temps de le mettre à la guitare. Caïs, pardon. Ah la honte. Quoi.
Enchaîne avec In the Back of My Mind. 2 ans donc, ouais. Il y a encore le temps avant de le mettre à la guitare. Ou un autre instrument. J'impose rien. Après tout, c'est pas mon fils. Mais bon, la guitare, c'est mieux quand même. Seuls les gens de la première heure savent. Après je dis ça, j'ai pas invité grand monde chez moi. We'll be right back.
dying. Comment va Marwa? Parce que c'est vrai que je ne demande jamais des nouvelles de madame. J'espère qu'elle va bien. On va marquer une pause. Petite pause. Que je ne suis pas complètement focus. On va essayer de remédier à ça et ensuite on partira sur Born from Disaster.
devrait être bon. Ouais, j'ai l'impression que je suis pas. Je suis pas net. C'est flou. C'est flou et c'est chiant. J'aime pas quand c'est flou. C'est peut-être la qualité du retour sur Twitch qui est pas top top. Bon, on va considérer que je suis net parce que moi sur mon retour sur le PC, je suis net. Mais c'est vrai que sur le retour Twitch, je suis pas net. Bon, c'est pas grave. Si pas grave. On va donc continuer avec Born from Disaster. Let's go. I'm
Lickham? Are you still there? Pourquoi je prends cette voix, je ne sais pas. C'était ridicule. Let's go. Ladies and gentlemen, it is time to bang your freaking head. Let's go. From disaster. Pardon. On va enchaîner avec un morceau sur le même accordage qui s'appelle tout simplement Broken Child, tiré de mon premier album intitulé Story of a Ghost. Donc, next, Broken Child. Let's go. We'll be right back.
Here comes the tricky riff. Let's go.
Broken Child. Ce morceau me donne toujours plus envie de le chanter que de le jouer. Petite pause. Alors, avant de commencer le prochain morceau qui sera de l'impro totale. Ouais, alors déjà, je disais, pour Broken Child, c'est toujours le morceau qui me donne plus envie de le chanter que de le jouer à la guitare. Tout simplement parce que je veux dire, généralement quand j'écris un texte, c'est assez personnel. Mais c'est vrai que ce morceau en particulier est vraiment... Enfin, ça me renvoie vraiment à des choses encore plus perso, encore plus intimes. Donc effectivement, ouais, ça me donne plus envie de le chanter que de le jouer. Mais bon, voilà, faudrait que je me remette à travailler le chant, à travailler ma voix. Ce qui ne devrait pas tarder, parce qu'il va falloir que d'ici la fin de l'année, que je sorte au moins un nouveau morceau. Ça, c'est l'objectif que je me suis fixé. Au moins un nouveau morceau pour annoncer le prochain album. Et si possible, plusieurs morceaux, voilà. On verra. Donc il va falloir que je recommence à travailler la voix. Pour en revenir au morceau qui arrive. Et là, je vais passer en anglais. Puisque the next song is actually a cover for a viewer, a new subscriber to my channel, who is actually more into rap music and hip hop and stuff like that. And last week, he actually asked me if I could play Mockingbird by Eminem. And so I tried to mess around a little bit with the song. I got the melody right, but I was frustrated because I could not make an actual cover live. So this next song is for this little dude from India. I'm sorry, I don't remember your nickname here on Twitch, but I'm pretty sure it will pop up anytime soon. So this is actually dedicated to you, because you asked me to do something with the song. And let's be honest, I didn't do anything special to the song. I just, you know, just a little... Well, it doesn't render well with the distortion, but just a little drum part with the guitar and just an acoustic part for the to get with the melody. I am willing to do something even more of a metal cover, but it will take time. But until then, this is just a little cover of the song Mockingbird. Especially for you, dude, and for all the people who actually enjoy Eminem's music. So, here we go, Mockingbird. It's not gonna be long. It's gonna be quick, but I'm gonna try to do it justice. So, here we go. Thank you.
And I'm gonna put it on repeat. Because I'm afraid it's gonna be a little bit short. But anyway, here we go. I'm gonna try to mess around with the song. One more time. Thank you.
Enough. I think I butchered the song enough. But there you go. Just a short little cover of the song Mockingbird. Now let's get back to some metal. Next song is actually a new song that I've already played. It's called Hungry for More, and it's gonna be appearing on my next album. When the album is done, of course. So I hope you will enjoy it. We'll be right back.
Hungry for more. The story of my life. Always more. More riffs and more notes in music. More weights in the gym. More success, more of everything. All right, we're gonna end the stream with a classic now on Twitch, on my channel, which is Ecclesiastes. It's gonna be the last song for today. I hope you enjoyed this little stream of mine. Anyway, I did. I actually enjoyed it. I enjoyed to have a little chit-chat with my friends Likam. Feel free to subscribe to the channel, subscribe to my YouTube channel, follow my Instagram, everything. Look for my music on iTunes. You type Google, Grim.St, Ecclesiastes, you will find something, and hopefully you will love it. Here we go for Ecclesiastes.
the fuck? Wait. I can't actually tolerate that. The fuck? Here we go. This one is the one. Better.
Ecclesiastes. The name of a song and the name of the album. So there you go, people. I think we'll end the stream right here. Actually, I'm gonna play this little song that I like to play sometimes. A song that is not mine, but I like to play it. I like to play it. Where am I? Here I am. Okay. So just a little easy peasy song to end the stream. And then I will say goodbye to you. I hope you enjoyed. If you're watching this in replay, I really hope you did enjoy. Again, feel free to follow me on Twitch, follow me on YouTube, Instagram. I'm not on Facebook, so don't bother searching there. And yeah, feel free to search for my music on the internet. You will find it on iTunes, Spotify, Amazon Music, all the stuff. So here's the little song to appease our minds and to relax a little bit and to get closer to God. Thank you.
There you go. Nearer, my God, to thee. I love this song. And I think I always loved this song, actually, since I was a child. So, from time to time, I just play it. And it appeases my mind. It relaxes me, yeah. So, that being said, this is the end of the stream, ladies and gentlemen. I hope you enjoyed it. Thanks a lot for watching. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé ce stream. J'ai navigué entre le français et l'anglais, notamment depuis la reprise, la cover pour mon ami indien. Il faudrait que je retrouve son nom parce que j'ai oublié son pseudo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez passer une très bonne journée ou que vous passez une très bonne soirée en regardant ce replay, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi, merci de me soutenir. Thanks for watching, thanks for the support. God bless you all. Que Dieu vous garde. À la prochaine. Je ne vous laisse pas comme ça dans le silence. Je vous laisse en musique avec l'intro de l'album Ecclésiaste qui s'appelle Chasing the Wind. À très bientôt. Cheers.